Ok. Est-ce qu'on m'entend là? Désolée pour la coupure. Du coup, il vient de couper un arbre. J'en ai trouvé. Son fils, ok. Monte dans le bateau, Atreus. Je me rappelle, il avait. C'était quand même une sacrée tête à claque, son fils. Oh là là, ce personnage! Charisse. Ah ouais, ok. Excuse-moi, j'avais oublié, oui. Il fait pas semblant. C'est trop stylé. Ça fait un mot. Mais je sais plus, il est sorti quand ce jeu, hein. Mais ça fait quand même. Que je l'attache au bateau. De quoi tu parles, garçon? Ça fait un moment qu'il est sorti le jeu, hein. Si je me souviens bien. Mais... Putain, cette force. Atreus. Dans mes souvenirs aussi, il est pas très sympa avec son fils. Son fils se tape souvent des monologues. Ça suffira. Ok, descendez la rivière. Quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. Déjà arrivé? Ah ouais. Ce fut rapide. J'aime beaucoup l'ambiance. Ah oui, il y a notre petite maison. Elle est morte de quoi, notre femme, déjà? Je me rappelle plus. C'était le dernier. Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Ah, bichou.
cette prestance. Incroyable. Ça va aller, mon garçon. Elle est prête. Même les... Franchement, les chansons sont stylées de ouf. Je suis désolée. Serre. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. T'as bien chassé. Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant. C'est le moment vraiment de... voir comment il chasse. Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf. Où ça ? Là où se trouve le cerf. D'accord. Ah, ces dialogues. Par là. Oh, bichette. Attends, ton daron, c'est lui, je viens de te dire. Tu fais pas le malin. Hein. Père, pourquoi on fait ça maintenant ? Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne ? Ça dépendra de toi. Allez. Qu'as-tu trouvé ? Des traces. Taron, il est imposant. Je vais continuer à chercher. Encore des traces ? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Oula ! Et maintenant ? Par ici, Atreus. Hop ! Bien joué. Ah. Attends, les traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici. Ah, il est trop beau. Ouais. L'ai trouvé. Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Oui, père. C'est mesquine, quoi. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser ? Écarte-toi. Oh, stylé. Waouh. Oh, trop impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Oh, j'aime. Ah, oh, j'avais oublié cet effet ! Ah, oh, j'aime trop.
Attends. Mais tu vas trop vite. Qu'est-ce que tu fais? Mais maintenant, il va se méfier. Tu ne tires. Tu ne tires. Calme-toi. Que quand je te dis que tu peux tirer. Calme-toi, Jacqueline. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. C'est bon, calme-toi. Trouve-le. Ah, c'est quoi ce père là? Oh. Trouve. Tu t'étonnes qu'après le gamin il soit chiant. Avec un bon. Ah non, 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 avec un père pareil là. C'est bon, tu peux parler, t'es pas obligé de hurler. Mon arc! Non! Tu n'es pas prêt! N'approche pas! Oh! Stylé, 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 stylé! Oh, ok, ok, ok. Ah, c'est trop satisfaisant! Vous êtes nuls! Ah, chier! Ah, ça faisait longtemps! Ça faisait longtemps que j'avais pas joué! Allez, viens là, toi! C'est bon. Ah, d'accord. Non, ils sont détruits. Oh, oh, j'aime trop. Ça se castagne. Ils s'aventurent pas si près de nos voies d'habitude. Avance. Avance. Calme-toi, Jacqueline. T'es trop vénère. C'est... Laisse le petit tranquille. En plus, il essaie de faire les choses bien, toi, t'es en mode avance. Bichoun. Un coffre. Oh, oh, oh. Tu crois qu'on a le droit d'être là? Bah écoute, je sais pas vraiment, mais... Quoi? Ok, je fais comment déjà? Comment je fais? Faut juste que je les casse, vraiment. Il est où le troisième? Ok. Bon, il est où ton cerf là? Là-haut. Putain, mais vous voulez tuer ce cerf alors qu'il est trop beau là? Mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. Regarde. Tu peux me rendre mon arc maintenant? Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois.
Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. D'accord. J'ai pas vraiment de réponse, mais d'accord. J'aime trop ce TP. Oh bah, oui, bien sûr. J'ai pas encore les putains de combos là. Ça se castagne. C'est tout ? Quand même. Attends. Ok, c'est tout. Elle s'ouvre. Elle se referme aussitôt. Et maintenant? Eh ben, calme-toi. Je peux faire quelque chose avec ça? Pas vraiment ce que j'ai fait, mais... Ok. Je crois que ce gros rouage là-haut est en moi. Non mais allez faire un effort. Tu l'as figé. Pas bête. Eh oui. Là par contre c'est bête. C'est parce que tu voulais faire, si. Si, c'est tout ce... Si, je contrôle. Ah non mais lui il peut passer dans le petit trou, carrément. Putain. Ok. Ok. Bon. Oui, bah oui. Je suis pas ton père pour rien. Où est-ce que tu vas? Je crois qu'il est parti par là. C'est quoi? Il n'en a plus l'utilité. Nous aussi. Nous aussi. J'ai une grosse voix bien virile. Non mais vraiment, tu fais pas le malin hein, quand t'as ça en face de toi. Père. Regarde. Bon, il est où ce putain de cerf là? Vous allez tuer alors qu'il est, il est beau. Détends-toi. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible. Vide ton esprit. Ouais, détends mais là. Inspire. Solide sur tes appuis. Ne bouge pas. Expire. Oh, je l'ai eu. Bien. Oh là là, c'était une belle bête. Il est encore en vie. Faut l'achever, bichette. Ton couteau. Bichette. Non. Finis ce que tu as commencé. Quand même, c'est dur, hein, l'apprentissage à leur époque, là. Tue mon fils, tue. Ah oui, il est gentil ce garçon. J'y arrive pas. Oh. Pauvre bête. Je...
What the fuck? Mais oh, qu'il est con. C'est quoi ce merde? What the? Non, mais je dois affronter ça déjà. On va se rendre au combat. Non, mais non, mais. Ok. Appuyez pour donner. Alors c'est quoi la strat là? Ouais, je te gosse. Mais laisse mon gosse tranquille. Ouais, c'est trop proche, c'est trop proche, c'est trop proche. Non mais lui, il fait du corps à corps. C'est un malade. Écarte-toi. Wesh, il est vénère, il est vénère. En vrai, ça va, hein. Je reste à distance. C'est bien, mon garçon. Mais reste à distance! Putain, le gars, il se met à côté de ce colosse. Oh là, on est proche, on est trop proche.
Mon fils, il se prend plein dans la gueule. Oh, stylé! Oh! Atreus. Mais calme ta joie. Il est mort, il est mort. Atreus, regarde-moi. Regarde-moi, Atreus. Atreus, regarde-moi. Enfant sociopathe. Oh, trop d'émotions pour lui. Mais j'ai quand même pris plein de trucs dans la gueule là. J'ai trouvé le cerf. J'ai fait une preuve. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Bon. Du coup, le cerf, c'est... Je ne veux plus t'entendre. Ah là là. Non, c'est non, garçon. Voilà pourquoi je veux pas de gosse. Ça écoute pas. Et du coup, notre cerf, c'est ciao. On a chassé pour rien, là. On a tué un pauvre cerf pour Kutchi. Ah oui, 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 oui. On valide. Ah, j'adore cette sensation. Ah bah, il se débrouille très bien sans moi, ce gamin. Toujours pas ouvrir les portes, hein. Silence. Oui, t'as calmé en 2 secondes. Silence. Attends, je vais pouvoir faire des doubles assassinats. Incroyable! Ah, j'aime trop! Il est où? Il est où ce con? Attends, il est glacé? On dirait les marcheurs dans... oui. Ah, la hache, ça sert à que de chier. Ok. J'ai bien dit que la forêt était différente. Et je t'ai dit de te taire. Oh, mais respecte ton gars, si t'as rien fait là, mesquine. Oh, t'es pas très sympa avec lui, hein. Quand même, ils étaient vachement proches de chez nous, là. Feu voudrait brûler le jardin de maman. Et depuis quand les drogards s'aventurent si près de la maison? Et c'était quoi cette chose qui nous a attaqué? Je ne sais pas. Maintenant, tais-toi. On est presque à la maison. Maintenant, tais-toi. Toujours sympa, hein, ce daron. Ok.
Il reste vraiment plus rien. Allez, rentre. Qu'est-ce qui va se passer? Non, le feu. Tu t'es laissé emporter. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Très bien. Alors, vas-y. Tu veux que je te frappe? Je veux que tu essaies. Aïe! Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit! Encore! En elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. C'est quoi ça? Silence. What the fuck? Sors de là! Ça sert à rien de te cacher. Je sais qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Et mieux encore, je sais ce que tu es. Atreus, sous le plancher. Allez! Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Tu sais qui c'est? Je n'en sais rien. De quoi est-ce qu'il parle? Aucune idée. Rentre là-dedans. Dis-moi seulement ce que je veux savoir. Inutile de faire couler le sang. Je te voyais un peu plus grand. Mais pas de doute, c'est bien toi. Tu es bien loin de chez toi. Qu'est-ce que tu veux? Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages. Tellement meilleur que nous, tellement plus brillant. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale lâche. Tu es sûr de vouloir te battre? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Ah! Oula, ça va être légendaire. Oh, j'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Je t'avais prévenu. Enfin.
Tu aurais dû écouter. Non. 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 D'accord. À mon tour. Oh. Ah, je suis terriblement déçu. Allez, amène-toi. Pathétique. Pathétique, tu dis, ou tu es seul, vermine. Tu le dois. Tu fais exprès ou quoi? Je veux savoir et je te laisserai tranquille. Pourquoi est-ce qu'il y a de lui ici? Oh, c'est ce temps. What the fuck? Oh, je vais m'énerver. Oh, je vais m'énerver. Stylé. Tu es vieux, Ellen. Tu n'aurais pas dû venir. Regarde. Oh, le tricheur. Bien. On remet ça? Quoi? Tu parles trop. Ouais, c'est là. Tu refuses de parler? Très bien. La personne que tu caches dans cette maison sera peut-être plus loquace. Oh, oui. Stylé. C'est qui? Oh, incroyable. On y va au point, on s'en bat les couilles. Oh, j'aime trop cette attaque. Oh, je suis vénère. Pas le temps pour ça. Wesh, il fait mal.
Allez! Oh, ça fait plaisir. J'ai détruit tout. Ouais, je suis au bout là. Il est pas mort, hein, c'est sûr. Oh là là. Wesh, il est insupportable. Quand Odin m'a envoyé ici, je voulais simplement me faire une pause, mais toi. Oui, il a fallu que tu fasses la valeur. Tu peux me frapper autant que tu veux. Ton corps va finir. Mais avant que je t'achève, il y a une chose que tu dois savoir. Je ne sens rien. Rien. Allez, te laisse pas faire. De tes propres yeux, tu ne peux pas me blesser. Je suis invulnérable. Ce combat est inutile. Tu as perdu d'avance. On aurait pu éviter tout ça. T'as pas forcément un point faible, mon gars. Pas des... Tu ne peux pas gagner. Je ne sens rien. Mais toi... Tu sens tout, et pourtant, tu continues à chercher. Je suis pas comme mon frère. Si tu m'avais donné ce que je voulais, on n'en serait pas là. Mais non! Finissons-en. Il ne peut pas me battre! Bah tu vas sentir mon gars, je te le dis. Mais allez, intercepte. Ça ne sert à rien. Je vais Oh!
Wesh, c'est super intense. Non, j'y étais presque. Ah. Putain. Tu ne peux pas me battre. Tu ne peux pas me battre, crois-le. Allez, reprends-toi là. Mais allez, intercepte. Je descends. Ah, tu m'as vénère. Allez! Ah, tu fais moi le malin! Non, 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 là tu vas vénère. Allez, te laisse pas faire. J'espérais qu'en t'affrontant, toi entre tous, j'aurais fini par sentir quelque chose. Mais c'est impossible. Oh, il est épuisé. Qui était-ce? Il savait qui j'étais. Est-ce qu'il connaissait mon passé? Comment m'ont-ils trouvé après tout ce temps? Faye, qu'est-ce que je dois faire? Notre fils n'est pas prêt à porter des cendres au sommet de cette montagne. On ne peut pas rester là. Atreus. Avec tout ce bruit, j'ai cru que... Oh. Tu n'as rien? Je vais bien. Tes affaires. Nous partons. Je croyais que j'étais pas prêt. Tu ne l'es pas. Mais nous n'avons plus le choix. Prouve-moi que j'ai tort. Oui, père.
un long voyage. Oui, mais c'est important. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'était? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous voulait? On n'a rien de spécial. Tu l'as tué? J'ai fait ce que j'avais à faire. J'aurais pu mourir. Ne me laisse plus jamais seul. D'accord. D'accord. Monte. T'as déjà tué des hommes avant, n'est-ce pas? T'as l'habitude. On fait ce qu'on a à faire pour survivre. Les animaux, je comprends. On les mange. Les drogards, ils sont censés être morts. Mais les hommes, ils essayent de survivre aussi. Tu dois fermer ton cœur. Au cours de notre voyage, nous devrons affronter de nombreuses créatures. Ignore leur désespoir. Ferme ton cœur à leur souffrance. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux. Ils n'en auront pas pour toi. Je comprends. Tu crois que c'est là depuis tout ce temps? Comment faire? C'est bon. Atreus. Oui, père. Bonne idée. Oui, j'ai vu. Père, est-ce qu'on croisera des gens sur la route? Oui. Gentil? Non. Ils essaieront de nous détrousser? Peut-être bien. Oui. C'est trop beau! Regarde,
Depuis tout ce temps, la forêt tout entière était protégée par un symbole. Mais... le symbole est brisé, là. C'est toi qui les as coupés. Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son duché. Pourquoi elle a fait ça? Viens. Trop tard pour les regrets. Dis, combien de temps on va mettre pour atteindre la montagne? Je ne sais pas. On y sera avant l'hiver? Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Ça veut dire ferme ta bouche. Il nous voit pas. Je tire. Attends mon signal. Est-ce qu'on va les attaquer? Ok, ok. Dis-moi quand. Oui, où il est passé ce connard? Si tu veux m'aider, fais diversion. Distrais ceux dont je ne peux pas m'occuper, mais uniquement si c'est sans danger. Je peux le faire. Là, regarde. Viens. Il y a un campement de Yotnar là-bas. Des Yotnar? Des géants. Tu sais lire ces inscriptions? Certaines. Uniquement les langues que maman connaissait.
Mais elles se ressemblent toutes, alors parfois j'arrive à comprendre, même si je les ai pas apprises, tu vois. Tu tires sur quoi là? Merci. Vas-y. Merci. Voilà la montagne. Allons-y. Attends. Ça craint rien. Il va tomber. Super, aide-moi. Accroche-toi. Vite. Je glisse. Reste calme. J'y suis presque. Petit con. L'idée de sauter aussi sur un pont. Oh là là, oh, misère. C'était pas si mal. Calme-toi. Ton empressement nous tuera. Désolé. Oh, encore des drogas. Mais ceux-là bougent pas. Ils sont morts. Les touche pas. Les touche pas. Atreus. Touche pas. Ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Putain! N'oublie pas, la précision avant la vitesse. Ah, oh, le gros là-bas, je le sens pas. Mais il y en a des fêtes là. Voilà, vous m'avez cassé les couilles. C'était mieux. Prends encore plus ton temps. Peu importe si tu ne tires qu'une fois. L'important, c'est la maîtrise. Regarde ça. Lila. Oh, c'était une sorte de marché.
Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Il y a quelque chose là-haut! Il y a quelque chose derrière le mur! C'est trop. Merde, non. Bah débourre-toi sans moi. Allez. What time is it? Voilà, eh, ce fut rapide. Attaque à distance, rien de mieux. Ah non, moi non. J'ai fait du lancer de hache, c'était trop bien. Oh, tu entends? Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Ne t'éloigne pas. Mais... qu'est-ce que c'est? On s'approche du champ bizarre alors? Ouais, me casse les couilles. Mais vise le mieux. Cet homme t'a attaqué devant chez nous. Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas non plus. Regarde là-haut. Ah.
Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. Mais comment ? Suis-moi. Quoi ça là-bas? Parfait. Il doit y en avoir encore un. Plutôt, t'as dit que des gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerais s'ils essaient. J'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. Bon, il est où le dernier truc là ? Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point, c'est tout. Bon. Il en manque plus qu'une. De Rungnir. Idiot. Viens voir ici. D'accord. J'ai déjà vu ce langage.
Alors c'est comme ça qu'on descend. Là, Nalouen. Atreus, avec moi. Ferme ta gueule.
Ça a marché. C'est quoi ça là-bas? C'est chiant, j'ai pas trouvé le dernier symbole là. Je sais où. Il est verrouillé par une magie runique. Ah, bingo. Oh non, pas elle. Oh, elle a invoqué un gros. C'est plus sûr ici.
Ça sent le boss. Maintenant! Ce sont des Eliens? Ils sont vivants, regardez! Préparez les feux! Zygmunt, des couteaux! Tant de jours sans viande fraîche. Viande? Qui? Nous? Reste derrière moi. Et s'ils se transforment comme les autres? On va devoir les maintenir en vie! Taillés dans la viande, morceau par morceau. Laisse-moi m'occuper d'eux. Ce n'est qu'un homme! Attendez une ouverture! Atreus. Atreus. Ah, misère. Reste ici. Je m'en occupe. D'ici. Alors ressaisis-toi. On doit trouver la sortie. Cette chaîne. Bon. Allez, Atreus. Ici. Va libérer la chaîne. Oui. Ouh. Bon, je vais bientôt m'arrêter là. Mes genoux. Atreus, la chaîne. La chaîne, oui. Allez, Atreus, c'est pas ton petit con, là. Tu réfléchis trop, mon garçon. N'y pense plus. Il t'aurait tué. Je sais, j'avais pas le choix. Je comprends, c'est juste que... Dans ce cas, nous allons rentrer. Quoi?
Abandonner si vite, alors que nous venons de partir. Non, j'abandonne pas. Je peux le faire. Il faut juste que je... Enfin, que je reprenne mes esprits. Monte. Je suis prêt. Écoute-moi. Pour bien se battre, un guerrier doit être sans pitié. La route qui nous attend est longue et semée d'embûches. Elle n'est pas faite pour un enfant. Alors sois un guerrier. Je comprends. Moyen de faire traverser le pont à cette saleté de bourrique. C'est parce qu'elle a peur de quelque chose là-bas dans les arbres. De quoi tu parles? Père, lance ta hache dans ces arbres de l'autre côté du pont. Ceux avec le tronc blanc. Tu m'as l'air sacrément futé, mon petit gars. T'es bien un petit gars, non? Elle a un nom? Aucune idée. Cette sale bête m'a jamais demandé le mien, alors j'ai pas demandé le sien. Et toi? Brock. Terra Luga. Tu vas sûrement pas me croire, mais cette hache que t'as là, eh ben c'est moi qui l'ai faite. Moi et mon frère, une de nos plus belles réussites. Alors laisse jamais personne y toucher en dehors de nous deux. Tu dois la manier avec grâce, si t'as pas envie de l'esclater. Je peux y jeter un œil et te la peaufiner maintenant, si ça te tente, le balèze. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Tu avais raison. Je ne te crois pas. Viens, mon garçon. Il y a une rune qui a la forme d'une fourche en bas du manche. C'était notre marque, mon frère et moi, avant qu'on se sépare. Regarde, j'en ai une moitié ici. Alors, tu veux que je l'améliore, oui ou non? Très bien. Tâche de ne pas me décevoir. Mais où est l'autre moitié de la marque? Ah, c'est mon imbécile de frère qui l'a. Mais c'est moi qui ai tout le talent. Regarde. Allez au travail.
Qu'est-ce qui te fait envie, mon grand? Pousser être petit, ça protège déjà. Il y a moins à frapper. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu veux, petit gars? Et ne regarde pas, mais nos amis qui se cachaient dans les arbres sont de retour. Allez, c'est le moment de tester ta hache. Oh là là. Ah. Ouais, t'en casse rien. Tu sens la différence? C'est passable. Passable, je rêve. Tu sais ce qui est passable? Dans ce job, t'as marché dans la bouse? Ce chemin, il mène à la montagne. C'est la bonne direction, oui. Tu veux racheter un œil à ma marchandise? Non, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et je continuerai un autre jour. Mais en tout cas, c'est trop stylé. Les combats sont trop cool. Le graphisme, les paysages et les chansons aussi sont trop cool. Donc ça fait plaisir de rejouer à ce jeu. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué.